Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Gran Turismo 7 sur PS5. Alors, je vais montrer comment atteindre les kilomètres en ligne. Et c'est plutôt un trophée qui n'est pas trop fatigant parce que l'avantage, c'est que tu peux rouler en mode libre. En mode libre, ça veut dire que tu mets sur pause et tu vas jouer en paramètre mode libre. Et tu vas voir ça à l'instant, le mode libre, ce que c'est. Alors, on va aller dans une course au hasard. Choisis mondial, ce que tu veux, mais l'essentiel c'est que tu roules tranquillement. Et je pense que plus il y a de joueurs, mieux ce sera peut-être. Alors, lieu de rencontre, là on est là-dedans et on va continuer de faire les kilomètres. Il faudra faire les 5000 kilomètres, 5810 kilomètres, et faire aussi